Je m'adresse à tout le monde. Arrêtez de mettre votre tête dans ce qui s'est passé et dans ce qui peut se passer. Tu n'es pas un stratège de l'armée. Arrête de mettre ta tête dans ce qui s'est passé et dans ce que tu crois qu'il va se passer. Prie pour les gens qui sont dans la peine. Occupe-toi de consoler les gens qui ont un malheur dans leur famille, de remonter le moral aux gens qui ont le moral bas. Renforce les gens autour de toi. Tomber dans la déprime, c'est très facile de se laisser tomber dans la déprime. Et c'est sûr, c'est dur. Tout le monde a été touché. Rien que dans Shiva Israël, il y a au moins 50 personnes qui ont été tuées, que l'on connaît. Je m'adresse à tout le monde. Il n'y a pas une personne dans la Yeshiva qui n'a pas eu un proche qui est décédé ou un proche qui est parti à la guerre ou qui va lui-même à la guerre ou qui a un proche qui est prisonnier. Je parle à tout le monde, que moi-même. Toute la journée, je reçois des messages des élèves de la Yeshiva qui ont peur. Ils entendent des sirènes, ils ont peur de recevoir une roquette. Même à eux, je m'adresse. Le peuple d'Israël est un peuple courageux et fort. Akash Bokhu ne donne pas une épreuve si on n'a pas la force de la surmonter. Si tu baisses les bras, tu vas faire baisser les bras d'autres et tu vas entraîner des conséquences pour l'avenir. Au contraire, préoccupe-toi de ton prochain, de le renforcer. Vois le bien qu'il y a chez ton prochain. Il faut purifier tout le mal qu'il y a dans l'atmosphère, tout le lashon hara que tu as dit. Ce téléphone que tu as utilisé pour faire du lashon hara, utilise-le pour faire du lashon hatov, pour faire des mitzvot. Arrange toutes les choses pas bien que tu as fait. Je parle à chacun sans exception. Tu dois arranger. Par exemple, tu veux travailler, et bien travaille honnêtement. Tu veux parler avec quelqu'un, parle-lui de façon droite, sans chercher à le manipuler. Toutes les choses que l'on ne fait pas bien, on les paye cher avec les intérêts en plus.